Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. L'essentiel de cette édition consacrée au 19e sommet des non-alignés qui se tient à Kampala, en Ouganda, un sommet qui intervient dans un contexte particulier, marqué notamment par la guerre génocidaire que mène l'entité sioniste contre Raza. Dans un message lu en son nom par le Premier ministre Nadel Arbaoui, le président de la République Abdelmadjid Tebboune est revenu justement sur le contexte dans lequel se tient ce sommet. Le chef de l'État a appelé à renouveler l'engagement vis-à-vis des valeurs et principes fondateurs du MNA, basé sur les valeurs de justice, de respect des engagements internationaux, mais aussi de non-ingérence dans les affaires intérieures. Nadel Arbaoui. La tenue de notre sommet intervient dans une conjoncture internationale et régionale mouvante et alambiquée. Cette conjoncture a fait ressurgir sur la scène internationale une tendance de forte polarisation en faveur de puissances internationales et au détriment d'autres, et approfondi les foyers de tension qui ont atteint les plus hauts niveaux de menaces pour la paix et la sécurité internationale et pour les valeurs de l'humanité tout entière. Ce contexte nous impose aujourd'hui de renouveler notre engagement vis-à-vis des principes fondateurs du mouvement des non-alignés, des principes basés sur les valeurs de justice, de respect des engagements internationaux, de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale, mais aussi de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, de protection des intérêts mutuels et de renforcement du multilatéralisme comme piliers fondamentaux pour atteindre les objectifs fixés par les pères fondateurs du mouvement, des objectifs qui émanent de l'esprit de la Charte des Nations Unies et des principes de Bandung. La question palestinienne s'est imposée aux travaux de ce sommet. Compte tenu de la tragédie que vit le peuple palestinien et notamment la population de Gaza, le président de la République a appelé à intensifier les efforts collectifs pour plaider en faveur de la cause palestinienne afin de faire entendre la voix de la justice. Les massacres collectifs continus que mène la machine dévastatrice de l'entité sioniste sur la terre de la Palestine occupée notamment à Gaza sont un exemple, on ne peut plus clair, de l'échec de la communauté internationale à imposer des garde-fous et des restrictions à tous sans exclusion. L'occupant sioniste fait fi de la légalité sans aucune poursuite ou sanction dans ce contexte dramatique et compte tenu de cette situation tragique, le mouvement des non-alignés et ses États membres doivent affirmer haut et fort que l'ère de l'impunité est révolue. Il faut intensifier les efforts collectifs pour plaider en faveur de la cause palestinienne afin de faire entendre la voix de la justice, faire primer le droit et le principe d'égalité et consacrer la primauté du recours aux garde-fous juridiques et contraignants qu'il convient de placer au-dessus de toute autre considération conformément à la légalité internationale. L'Algérie, qui occupe depuis janvier et pour une durée de 2 années consécutives un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, œuvrera, partant de son histoire, de ses valeurs constantes et de sa vision future ambitieuse, à renforcer l'action internationale et multilatérale en tant que principe immuable de sa politique étrangère et à faire prévaloir les règlements pacifiques des conflits sur la confrontation, tout en traitant les causes profondes des conflits au lieu de chercher à les contenir, ce qui avait compliqué et retardé le processus de leur règlement. Le président de la République a souligné que l'Algérie s'engageait à défendre depuis la tribune du Conseil de sécurité les valeurs et principes du mouvement des non-alignés. L'Algérie, qui a obtenu en ce début du mois un siège non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, s'engage à défendre les principes et les valeurs du mouvement des non-alignés au niveau de cet organe exécutif des Nations Unies. En ce sens, l'Algérie cherche à renforcer l'action internationale multilatérale, privilégier les solutions pacifiques dans le règlement des conflits et traiter les causes profondes des conflits au lieu d'essayer de les contenir ou même les gérer. L'Algérie, au même titre que les pays membres, travaillera à construire des voies de dialogue entre les différentes parties au conflit et œuvrera à la mise en place des accords nécessaires au sein du Conseil de sécurité autour des questions importantes aux yeux de notre mouvement. Et par ailleurs, le président de la République a salué la coopération intense de l'Algérie avec ses partenaires internationaux pour atténuer l'impact de la crise énergétique internationale à travers la poursuite du renforcement de son rôle en tant que fournisseur fiable et crédible, d'autant qu'elle s'apprête à abriter en début mars le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz qu'elle voudrait ériger. Donc l'Algérie voudrait ériger ce sommet en tournant décisif, à même de renforcer le dialogue et la concertation entre les pays membres d'une part et entre les exportateurs
exportateurs et les importateurs d'autre part, pour soutenir et développer l'industrie du gaz naturel et appuyer les droits pleinement souverains des pays membres. La séance inaugurale du 19e sommet du mouvement des non-alignés de Kampala a été marquée ce matin par une condamnation unanime de l'agression sioniste contre le peuple palestinien. Dans une allocution d'ouverture des travaux, le président ougandais Yoweri Museveni, dont le pays a pris la présidence tournante de l'organisation, a condamné l'agression sioniste contre le peuple palestinien, déplorant le mutisme de la communauté internationale face aux violations des droits de l'homme dans la bande de Gaza. La Palestine se dit reconnaissante envers le soutien unanime du mouvement des non-alignés à la cause palestinienne. On écoute à ce propos Riyad Mansour, représentant palestinien auprès de l'ONU. Il est au micro de l'envoyé spécial de la radio algérienne à Kampala, Nader Messaoui. Nous sommes reconnaissants envers le mouvement des pays non-alignés pour ce consensus total envers la question palestinienne et des documents présentés sur la question palestinienne. Premièrement, à ce que le mouvement œuvre de toutes ses forces pour mettre un terme à l'agression contre notre peuple dans la bande de Gaza et pour un cessez-le-feu immédiat. Arrêter les déplacements forcés et garantir la disponibilité des aides humanitaires. Nous remercions également le mouvement des non-alignés pour son soutien et sa position unanime en faveur de l'adhésion de la Palestine à l'ONU et pour la tenue d'un sommet international pour traiter toutes les questions afin de mettre fin à l'occupation et appliquer la solution des deux États sur le terrain et l'indépendance de l'État de la Palestine avec Al-Quds comme capitale. Et l'Algérie, pour rappel, a appelé par la voix du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, à réactiver le rôle du groupe restreint des pays du mouvement des non-alignés représentés au Conseil de sécurité et à le mandater pour prendre des initiatives effectives afin de mettre fin à l'agression sioniste sur la bande de Gaza et lever le blocus qui lui est imposé. Un Conseil de sécurité frileux qui a failli à ses responsabilités face à une situation dramatique. On écoute Boukhalfa Mazit, journaliste et spécialiste en histoire. Il ne faut jamais oublier qu'il a fallu attendre 1960, 15 ans après la création des Nations Unies, pour que la résolution 1514 soit adoptée. Ce n'est qu'après la tragédie algérienne, après l'extraordinaire courage du Front de Libération Nationale et de l'Algérie en lutte pour la colonisation, que les Nations Unies ont enfin envisagé la résolution 1514. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est un mouvement de libération qui a amené les Nations Unies à prendre des décisions aussi importantes. Cette résolution devrait aussi être érigée en principe, parce qu'on croyait que la colonisation était d'un autre âge. Il restait en Afrique la question du Sahara occidental et la question de la Palestine. On se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Quand on envisage de dépeupler une région, de changer le peuple d'une région, d'un pays tout entier, c'était au 19e siècle qu'on pensait transporter la population algérienne vers les îles, ces déportations massives. Toutes les propositions que fera ce sommet très tard, parce qu'il a une responsabilité énorme, seront les bienvenues. Et le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 24 762 martyrs depuis le 7 octobre dernier, annonce aujourd'hui les autorités sanitaires palestiniennes. 24 762 Palestiniens sont morts en martyrs et 62 108 ont été blessés. De nombreux autres sont toujours ensevelis sous les décombres. Et au cours des dernières 24 heures, 142 Palestiniens ont été tués et 278 autres ont été blessés. Les conditions de vie inhumaines, presque pas d'eau potable, de toilettes propres ou encore de possibilités de garder les environs propres ont favorisé l'émergence de certaines maladies. Pas moins de 24 cas d'hépatite A et des milliers de cas de jaunisse ont été signalés dans la bande de Gaza, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, qualifié sur la plateforme X, la crise sanitaire dans la bande de Gaza d'explosive. La capacité de diagnostiquer les maladies reste extrêmement limitée, dit-il. Il n'y a pas de laboratoire fonctionnel et la capacité de réponse reste également limitée, affirmé le responsable de l'OMS qui a réitéré son appel à un accès sans entrave et sûr à l'aide médicale et à la protection de la santé des Palestiniens. L'entité sioniste n'envisage pas, pour l'instant en tout cas, de mettre fin à sa folie meurtrière à Gaza et dans les territoires occupés palestiniens. Faire durer le plus longtemps possible la guerre de l'occupant sioniste répond à un agenda politique et non aux intérêts de ses colons. Selon Ayman Chakra, il est analyste politique, il le dit depuis Naplouse à Karima Hasnaoui. Netanyahu, tout ce qu'il veut, c'est prolonger la guerre le maximum pour deux objets. Le premier, c'est qu'il sait que le moment où la guerre s'arrête, il va en prison. Il a plein de plaintes contre lui, de corruption, de manipulation. Le deuxième objectif actuel, c'est prolonger la guerre jusqu'au février 2025. Pourquoi? Il voit
que selon tous les analystes, que Biden va perdre les élections à la présidentielle américaine et c'est Trump qui va venir. Lui, il se considère comme le fils gâté de Trump. Je pense qu'il aura le soutien total de Trump, soit pour l'aspect financier, mais aussi pour tous les projets de normalisation avec les pays arabes. Malgré que tous les analystes, même des chefs de guerre israéliens, disent que c'est impossible de terminer la résistance, c'est impossible de contrôler totalement Gaza. Et pendant ce temps, et dans la foulée des plaintes déposées contre l'entité sioniste, le ministère public de la Confédération suisse a été saisi par des plaintes pénales visant le premier responsable de l'entité sioniste, Isaac Herzog, alors qu'il se trouvait hier au forum de Davos. Ces plaintes sont actuellement examinées. Elles hypothèquent la question de l'immunité de Herzog. Il s'agit là de la réintroduction du droit dans la question palestinienne, selon Maître Gilles Devers, avocat français, initiateur de la plainte déposée contre l'entité sioniste pour génocide devant la CPI. Il est contacté par Karima Hasnaoui. C'est le régime de la compétence universelle. Donc, normalement, un pays juge quelqu'un quand il y a un lien étroit. Soit c'est son national qui commet un crime à l'étranger, soit il est victime. Mais pour les crimes les plus graves, il est considéré que les États, quand ils adoptent la législation, peuvent engager des poursuites alors même que l'auteur n'est pas un national et que les faits ont lieu à l'étranger. Donc, c'est le cas de la Suisse, vu que Herzog n'est pas suisse et les crimes ont lieu en Palestine. La Suisse doit maintenant enquêter. On verra ce que donnera cette procédure. On va travailler avec nos amis suisses sur le sujet. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que Cour internationale de justice d'un côté, CPI de l'autre, maintenant justice suisse, demain une autre liée à un déplacement d'un autre dignitaire politique ou militaire. On a réintroduit le droit dans la question palestinienne. Ceci pour le dossier consacré au sommet des non-alignés de Kampala et à la question palestinienne. Justice, le tribunal criminel d'appel près la cour d'Alger a condamné aujourd'hui à la réclusion à perpétuité Shuaib Oultash, accusé dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale. Le verdict a été prononcé à l'issue des délibérations de cette affaire, dans laquelle le procureur général a requis la peine capitale à l'encontre de l'accusé. L'ex-chef de l'unité aérienne de la DGSN, Shuaib Oultash, est poursuivi pour homicide volontaire avec préméditation de l'ancien DGSN Ali Tounsi, assassiné le 25 février 2010, et possession d'armes à feu de quatrième catégorie sans permis. Santé, on va s'intéresser à cette nouvelle discipline qui rapproche deux spécialités, la neurologie et l'ophtalmologie. Pour la première fois en Algérie et en Afrique, des journées internationales sont dédiées à la neuro-ophtalmologie de Tizi Ouzou Mohamed Haouchine. Le CHU Nedir Mohamed abrite depuis hier les premières journées internationales de neuro-ophtalmologie, soit une spécialité peu connue encore en Algérie, ce qui a engendré d'ailleurs cette importante rencontre médicale qui a regroupé un grand nombre de spécialistes en neurologie ou en ophtalmologie, voire même en ORL, de plusieurs CHU et hôpitaux d'Algérie. Tout cela pour profiter durant deux jours d'une quarantaine de communications rehaussées par l'intervention d'éminents spécialistes français, iraniens, tunisiens, voire même hollandais sur de nombreux cas pathologiques du cerveau en relation avec l'œil, ce qui est une grande première en Algérie, voire même en Afrique, comme nous le confirme le professeur Smaïl Daoudi, chef du service de neurologie au CHU de Tizi Ouzou. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'inviter des collègues ophtalmologistes, des collègues neurophysiologistes, des collègues radiologues, des collègues neurochirurgiens pour justement parler de ce gros chapitre qui lie l'œil au cerveau dans ses diverses facettes et par la même occasion lancer des propositions à nos deux tuteurs afin de créer effectivement ce club de neuro-ophtalmologie ou ces unités de neuro-ophtalmologie à travers le territoire national, mais lancer officiellement la formation et l'enseignement de ce chapitre de la médecine. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Algérie 3. Des concours de recrutement de maîtres assistants et d'enseignants hospitalo-universitaires seront ouverts prochainement selon les besoins de chaque établissement universitaire. C'est Kamel Bedari qui l'a annoncé hier lors d'une séance plénière au Conseil de la Nation consacrée aux questions orales. Ce concours de recrutement concerne les maîtres assistants classe B. On écoute le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les postes ouverts au recrutement concernent les maîtres assistants classe B, 1725 postes, les étudiants de retour de l'étranger porteurs de diplôme de doctorat, 75 postes, et 200 postes pour les enseignants hospitalo-universitaires. Le nombre total de postes destinés au recrutement est de 2000 postes durant l'année 2024. Les concours de recrutement seront ouverts à tous au cours des prochaines semaines selon les besoins de chaque établissement universitaire et hospitalo-universitaire après accord des services du ministère des Finances.
Des caravanes composées d'équipes médicales sillonneront 17 wilayas jusqu'au 18 mai prochain pour dépister certaines maladies chroniques, à l'instar des maladies cardiovasculaires, du diabète ou encore de l'hypertension. Des cliniques mobiles ont été dotées d'équipements modernes et visent aussi à soutenir et à former les staffs médicaux au niveau local pour prendre en charge les patients des localités reculées. À Saint-Chemache. Le ministre de la Santé a donné hier le coup d'envoi de la 4e édition des caravanes médicales vers les localités reculées des hauts plateaux et du sud du pays. Le ministre de la Santé, Abdelhak Sayeri. C'est la dynamique que Monsieur le Président de la République a instaurée. Nous travaillons en collaboration avec la société civile pour le bien-être de notre citoyen. C'est un passage dans les zones déshéritées et en même temps qui va avec notre politique de rapprochement de santé du citoyen. Une clinique mobile équipée d'appareils de dernière technologie entamera sa mission dans la wilaya de Msila, nous dit le docteur Jamal Fourar, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. Cette 4e édition va commencer par la wilaya de Msila et ensuite elle va rejoindre d'autres wilayas telles que Djelfa pour le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle et de leurs complications au niveau de l'ensemble des wilayas. Les dernières caravanes lancées par le ministère de la Santé ont donné des résultats satisfaisants, nous dit le docteur Jamila Nadir, sous-directrice des maladies non transmissibles au ministère de la Santé. Quand vous voyez que finalement en Algérie, et c'est un acquis qui est reconnu, moi je vous dis par l'Organisation mondiale de la santé, à Genève, quand on a présenté les résultats, c'est que le fait qu'on est arrivé à avoir deux diabétiques connus pour un diabétique méconnu, c'est un pas en avant qui nous permettrait de réduire les complications et par conséquent les dépenses santé dans les années à venir. De nombreuses personnes souffrent du diabète et de l'hypertension qu'ils ignorent. Il est essentiel de dépister le diabète et l'hypertension avant que ne surviennent les complications liées à ces maladies. Tout autre chose à présent pour parler détente et d'espace de jeu, c'est le nouveau visage qu'offre Oued El Harrach. Le projet finalisé, il est sur le point d'être livré. En attendant, Soraya Erzlan était sur place ce matin, précisément à la prise d'eau qui offre de nombreux espaces, y compris pour la pratique du sport. Elle a rencontré sur place de nombreux enfants avec leurs parents. Reportage. Natives de Rdeïa et habitants Alger, Maria et Marwa, membres d'une association écolo, sont très contentes de faire du sport dans l'espace situé à la prise d'eau au niveau de la commune d'El Harrach. Nous les avons rencontrées. Bonjour, je m'appelle Maria Tella, je suis de Rdeïa. J'ai 10 ans, très contente de m'amuser avec mes amis. Je remercie tous ceux qui ont fait ça. Je m'amuse beaucoup, on nettoie la terre et on fait ça. Accompagnée de ses deux filles, cette mère de famille qui habite Sahoula est venue pour faire du footing. Je suis venue pour faire la marche avec mes filles. Il y a beaucoup de stades, si tu veux jouer du basket, du foot, ou même faire une course. Je pense que c'est bien. Avec les stades, il y en a beaucoup. Plusieurs personnes qui peuvent faire en même temps. Créé récemment, l'EPIC Écolo, établissement public de la wilaya d'Alger, est chargé de la gestion de Oued El Harrach, aménagé de sa promotion, Belkacem Youssef, chargé de la sécurité. Alhamdoulilah, rana waqfin alayhom w qala balhom blli ki jou adna hna rah yfarhou w yrouhou alaz. Kolch gratuit. Kayen li vilo, kayen football. Handball, tous les sports. Le projet d'aménagement et de dépollution de l'Oued El Harrach, qui s'étend sur environ 18 km, est un espace récréatif au profit des associations activant dans le domaine de l'environnement et pour les familles en quête de distraction et de détente. Ouvert chaque jour, cette forêt récréative est une bouffée d'oxygène pour les riverains. Et on arrive au sport avec Redouane Bendeli. Redouane, bonsoir. Bonsoir, Nassira. On va bien évidemment parler de l'événement sportif continental, la CAN, qui se déroule en Côte d'Ivoire, avec les matchs de ce vendredi. Oui, deux matchs qui se déroulent, un qui se déroule en ce moment et un qui s'est achevé cet après-midi. Dans le groupe B, le Cap-Vert a battu le Mozambique 3-0 et se qualifie quasiment pour les huitièmes de finale. Le Cap-Vert même peut prétendre à la première place du groupe avec deux victoires. Dans le groupe C, la grande affiche qui se déroule en ce moment même entre le Sénégal et le Cameroun, et pour le moment, c'est le Sénégal qui mène au score 1-0, un but inscrit par Ismaïla à la 15e minute de jeu. Et ce soir,
à 21h, il y aura également un match pour le groupe C, Guinée face à la Gambie. Et bien évidemment, demain, le match attendu par les Algériens. L'Algérie face au Burkina Faso à partir de 15h, heure algérienne, c'est à Bouaké. Et on va parler de Ligue 1, il y a eu plusieurs matchs aujourd'hui, Erdouane. Oui, c'est la 14e journée avec plusieurs rencontres, quelques, on va dire, surprises ou quasi-surprises. Il y a eu tout d'abord cette victoire du Paradou Athletic Club face à l'Entente de Sétif, 1-0. Une défaite de Sétif qui a entraîné la démission de l'entraîneur Franck Dumas. Le NC Magra a été tenu en échec par l'USM Khanchla, 1-0. L'USM Alger est allé chercher une victoire à Ouessouf face à l'USSouf, 3-1. Le Mouloudia d'Oran a gagné à l'extérieur, ça c'est une surprise, face au Mouloudia d'Albayet, 1-0. L'AS Ochlef et le CRB ont fait match nul, 0-0. La JS Saoura a battu la JSK dans les toutes dernières secondes de la partie, 3-2, alors que la JSK avait mené à la marque 2-0 dans ce match. Et donc le CSC a été tenu en échec par Ben Aknoun, 1-0. Et un match se déroule en ce moment, il oppose le Mouloudia d'Alger et l'US Biskra. Et le score est toujours de 0-0 à l'heure de jeu, tous les détails ce sera tout à l'heure. Ce sera dans le journal des sports, on vous retrouve à la Douane Bandali, juste après la page météo signée Amine Mounir. 19h24, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. À Fatah Mokho Hafed Medja qui était à la réalisation. Samir Maziani à la console technique et Hossine à la régie. Dans un instant, donc la météo, l'info revient à 20h. Rendez-vous avec Karim Wali pour le premier flash de la soirée. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver, je l'espère, demain. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous rester fidèles.